On va rester un peu dans l'arnaque, dans l'attrape-nigo. Jean-René, est-ce que vous vous souvenez de Jeanne Calment? Oui, c'est la personne la plus âgée du monde, de France en tout cas. Voilà, de France De Navarre. Et de Navarre, et de Bretagne, et de... Voilà. Donc, cette Française, on s'en souvient, qui n'est plus là actuellement, aurait vécu jusqu'à plus de 130 ans. Oui. Donc... Mais, d'après les nouvelles informations des recherches russes, des scientifiques russes, attention, ils ont enquêté sur l'affaire, les amis, et ils auraient découvert qu'en fait, Jeanne Calment, en fait, elle serait décédée beaucoup plus tôt qu'on le croit, les amis. Et c'est sa fille qui aurait repris son identité, pour une question d'héritage. Donc sa fille s'est retrouvée, effectivement, avec cet âge de 130 ans. Mais comme c'est sa fille, vous pouvez l'enlever... Facile, 20 ans. 20, voire 30 ans. Donc... ce n'est pas si extraordinaire que ça en fait, hein. Donc voilà. Donc, c'est en cours de vérification, mais comme le record a été enregistré sans carte d'identité, sans acte de naissance, en fait, juste à la parlante quoi en fait. Voilà, parce que faut savoir qu'un record comme cela, est, à l'époque évidemment, faut se remettre dans le contexte des années. On sortait de la guerre, il y avait encore des chars, c'était compliqué. Il faut, voilà, il n'y avait pas tout ce qui est maintenant papier d'identité. Non, on écrivait sur des papyrus à l'époque. Et on mangeait du papier buvard. Bon appétit!